The music that you can hear was played on a cigar box guitar. The third International Cigar Box Guitar Festival will take place on Saturday the 4th of October at Boissy-sans-Avoir, a few miles from Versailles in France. Playing at the festival will be 15 international artists and guitar makers. The doors are open at 2 o'clock with free entry for all. Food and drinks will be available with live music non-stop until late into the evening. The complete program can be found on our website, bsa-cbg-festival.fr. You got to move, moving along. Petit événement, j'en parlais tout à l'heure. Alors vous me suivez, enfin Guy-même me suivent, mais surtout ceux qui veulent voir des jouets pour enfants, très originaux. Il y a une boutique qui se trouve à 50 mètres d'ici. Vous me suivez, je suis là avec mon drapeau à damier. On fait 50 mètres et vous découvrirez un univers aussi, spectaculaire que celui des cigar box, mais dans le domaine du jouet pour enfants. En plus, il y a un mini-concert là-bas, vous allez écouter Cigar Box Dan and Carol, qui donne un mini-concert en live, donc voilà, qui même me suivent, qui aime les choses originales. Voilà, on va faire ce petit événement là-bas. Merci beaucoup. Je rappelle, parce que j'en ai l'occasion actuellement, qu'il y a une tombola à 2 euros le ticket avec une cigar box, guitare, à 3 cordes, une vraie, qui vient des États-Unis. On vous racontera l'histoire de cette cigar box, qui a déjà une petite histoire. Voilà. Merci, à bientôt. Je le répète, le festival s'est ouvert depuis 14h, mais ça se termine ce soir, très tard. À partir de 19h, concert avec démonstration, enfin bon, voilà, et ensuite des artistes qui nous viennent d'Écosse, qui nous viennent de Hollande, qui nous viennent de France, qui nous viennent d'Angleterre. Voilà. Et puis, à tout de suite, merci. Curiosité, curiosité, on y va ?
Il y en a qui rigolent.
that should not be mine. On my way to heaven, I should not be more like a tree planted by the water. I shall not be more. Thank you.
sont pas prêts pour aujourd'hui, mais ça vous donne une idée de ce que chacun de vous ici peut faire sur cette planète, malgré une distance, grâce à Internet et grâce aux nouvelles technologies et aux amplis. Vous pouvez fabriquer vos guitares, communiquer à travers le monde vos créations, les échanger, et à partir de là, être totalement en lien avec pratiquement toute la planète. D'ici, de Boissy sans avoir, avec d'autres communes qui peuvent être en Alabama, qui peuvent se trouver vraiment un petit peu partout. Voilà. Donc, j'espère que vous avez un petit peu apprécié, que ça ne pourrait sonner trop faux de temps en temps. Mais c'est vraiment de l'improvisation. En fait, on écoute le morceau et on joue simultanément. Si c'est bon et si c'est enregistré, ça fait un morceau one shot. On ne le fait qu'une seule fois. Et en fait, on ne sait pas le rejouer exactement de la même manière une deuxième fois. Demain, je le rejouerai certainement différemment, avec peut-être sur des amplis différents, avec des ordinateurs différents. Mais en fait, ce qui compte, c'est le crossroad, c'est le blues. Et le crossroad, aujourd'hui, il est à Boissy sans avoir. Et c'est tous les artistes ici qui sont en train de le créer, en apportant généreusement leur musique. Voilà, c'est tout simplement ce que j'ai fait ici. C'est un état d'esprit de partage avant tout. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous allez voir les artistes qui sont, eux, alors vraiment des pros, vont vraiment vous apporter du plaisir. Avec beaucoup de générosité, toujours. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Connais la salle, si tu peux nous éteindre la lumière dans la salle, c'est voilà, tu connais le principe. Merci. Ouais, on vient d'éteindre la salle, ça veut dire que ça va commencer. On vous voit plus, hein. On vous voit plus, mais on sait que vous êtes là. Donc
Bienvenue au 3e Festival International de Cigarbox Guitar, organisé ici à Boissy-sans-Avoir, petite commune des Yvelines. Donc, merci de votre présence. Ce soir, Philippe Billy est avec moi, comme d'habitude. Hein. Vous avez pu apprécier sa petite démonstration en ouverture, là, un petit peu du spectacle. Donc, ce qu'il faisait avec son ami James, qui est sur le chapeau. Il est avec moi. Voilà. Voilà, parle aussi, hein, Philippe. Oui, moi, n'hésite pas. Oui, oui, oui. Voilà. Il est venu d'Alabama, spécialement à Boissy-sans-Avoir. Voilà. Donc, l'aspect un peu virtuel de ce qui est possible dans cet univers-là, c'est d'échanger avec quelqu'un qui se trouve là-bas, en Alabama, d'échanger des fichiers, ouais, de travailler ensemble et de faire des CD comme ça. Bon, je raccourcis parce que... Mais bon, c'est ça le principe de la Cigarbox Guitar, c'est ça le... L'atmosphère, au-delà de la musique, c'est des artistes, vous avez vu, ça ressemble à ce que veut créer l'artiste, quoi. Ça ressemble pas forcément à une guitare traditionnelle, et loin de là, on peut utiliser, je dirais, tout ce qu'on peut récupérer. Un four micro-ondes. Voilà, une poêle à frire. Voilà, il y en a qui fabriquent avec des cadres de vélo, il y en a qui fabriquent avec des bidons. Caisse de vin. Des bidons d'huile, d'autres avec des réservoirs de moto. Des boîtes à gâteaux. Mais bon, tout ça, maintenant que vous êtes ici, vous connaissez déjà un petit peu, ou alors vous découvrez. Si vous découvrez, vous allez sur Internet demain pour en savoir un peu plus. Vous tapez Cigarbox Nation, c'est un site de référence international où on trouve tous les fanatiques de cet instrument. Mais vous pouvez aussi taper BSA, voici sans avoir, CBG, Cigarbox Guitar Festival, et vous avez le site du festival avec les liens vers les autres amis de la planète. Voilà. Philippe. C'est parfait. Moi, je suis ravi que ce 3e festival remporte autant de succès à Boissy-sans-Avoir, que ce festival organisé par la BCL soit une vraie réussite à chaque fois. Donc ça encourage tous les bénévoles, et puis mon ami Théo Mojo, parce qu'il ne s'appelle pas Jackie Maté en réalité, hein. Il cache bien son jeu, c'est Théo Mojo. Ouais. Ok, vous le saurez. Philippe, tu t'appelles pas non plus Philippe Billy. Non. Hein. Voilà. Bon, ça fait partie du jeu. Du jeu, ouais. On va dire, voilà. Ça fait partie du plaisir. Voilà, chacun prend son petit surnom sur la nation. Et puis voilà, c'est le nom d'artiste, de façon très modeste. Je rappelle une chose. Il y a une tombola d'organiser avec les tickets qui sont disponibles à la caisse. C'est 2€ le ticket. Il y a un premier lot que vous pourrez toucher à la caisse. Là-bas, c'est une Cigarbox Guitar 3 cordes. Voilà, cette Cigarbox Guitar, elle vient des États-Unis. C'est un kit de CB Gitti. C'est un cadeau d'amis que je connais depuis 2 ans sur l'Internet, mais que j'ai rencontré pour la première fois cet été lors de mon passage à Saint-Louis dans le Missouri. C'était comme si on se connaissait de la veille, tout simplement. Donc ils nous ont offert ce kit-là pour le festival. Donc voilà, c'est le gros lot. Il y a aussi des CD, des affiches dédicacées des artistes. N'hésitez pas, vous avez encore 1 heure grand maximum, je dirais 45 minutes, pour acheter votre ticket de tombola à 2€ et repartir ce soir avec une Cigarbox Guitar. Alors, je peux ajouter que toute cette scène et tout ce son, cette lumière est gracieusement offert par Audio System, avec des professionnels qui sont au fond là. Ils sont là-bas aussi, nous on les voit pas, mais les petites lumières là-bas, on a Vincent et on a Tony, voilà, qui font un boulot que vous allez voir, enfin, vous allez entendre, un boulot formidable. Nous on était là, enfin certains étaient là dans l'après-midi, vous avez déjà entendu Philippe Billy, ça sonne et ça va sonner. Voilà. Bonne soirée à vous. Voilà, je dis simplement, enfin, pour finir, bon, on va faire, entre chaque artiste, on va vous les présenter un par un. C'est un festival international. Nous aurons dans l'ordre de passage la France qui est représentée. Nous aurons les Pays-Bas. Nous aurons l'Angleterre et nous aurons l'Écosse. Voilà, donc 4 sets qui vont succéder. Et ensuite, après le set, c'est le jam.
On invite tous les artistes de la soirée à se rejoindre et à jouer tous ensemble. Donc le premier performeur de la soirée, Nicolas Millet. On applaudit bien fort. C'est Nicolas Millet, France. Voilà. Avec une magnifique cigarbox guitare en une boîte inox. Voilà. Dedans, il y a du bois et tout ça. Si vous avez eu l'occasion d'être là cet après-midi, vous avez pu la toucher, la jouer, la peser, ça pèse son poids. Maintenant, vous allez l'écouter et vous allez entendre un peu ce qu'on peut faire avec ces instruments faits main. Hein ? Je crois qu'on a tout dit. Nicolas, je te laisse finir. C'est à toi. Donc, un set de 35 minutes, 40 minutes, voilà, pour chaque artiste. On vous fait une présentation entre chaque. Voilà. Merci de votre présence et applaudissez bien fort Nicolas, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi, en fait, je vais vous interpréter quelques morceaux qui sont de ma composition en français et quelques reprises également. Je vous souhaite une bonne soirée. Thank you.
reste gagnant, gagnant, jamais perdant. Alors partons dès à présent sur la route des vents solaires. Tirons ici et maintenant le fil. On est gagnant, gagnant, jamais perdant. Quand je te blesse, quand tu me disperses, on reste gagnant, gagnant, jamais perdant. Allons, partons dès à présent sur la route des vents solaires. Tirons ici et maintenant le fil. Quand tu m'admires, on est gagnant, gagnant, jamais perdant. Quand je t'espère, quand tu me perds, on reste gagnant, gagnant, jamais perdant. Alors partons dès à présent sur la route des vents solaires. Tirons ici et maintenant le fil de la lumière. Sur la route des vents solaires, tirons ici et maintenant le fil de la lumière, le fil de la lumière. D'être là ce soir, ça fait plaisir d'avoir été invité, partager l'affiche avec des musiciens internationaux. Merci à vous qu'on va apprécier tout à l'heure. Le prochain morceau est une reprise que vous allez peut-être reconnaître. Au cri du marchand glace. Non mais t'as vu ce qui
votre nez que s'imposait. Le prochain morceau est une composition qui s'appelle Ému. They don't need
Donc ce soir, en fin de compte, je joue avec la Cigar Box et au pied, j'ai une Stomp Box. Stomp Box, c'est une boîte de cigares avec un capteur piezo qui permet de s'accompagner en rythme. D'une compétition qui s'appelle IA. Thank you.
for yours. In case she's a bookie, I know only 1,000 wine roses on a grill. Head to pieces is all you can do. Yeah, and to pieces is all you can do. Someone tried to hide himself. Down inside himself he prayed. Someone's well is to love until the end of time. Another round away, separate and unite. As we are insane. Here to be self is all you can do. Ça va toujours? Ouais! Il fait un peu chaud là, je vous cache pas. J'aurais pu enlever la veste en effet. Quel prochain morceau? Une composition un peu différente, qu'il faut que ça figure aussi dans le prochain CD. Si vous voulez toutes les infos sur les prochains concerts, les actualités, n'hésitez pas, Facebook, Nicolas Millet Musique. Vous serez les bienvenus sur le site. Le prochain morceau s'appelle Les Filles en A. Qu'elle soit un etc.
Les filles en or sont érotiques, mais elles sont aussi romantiques. Plus belle, c'était Lila. Mon mari, Lila, blonde platine, sa peau blanche, lumineuse, une allure à la fois douce et mutine. Elle portait une robe légère, le charme au perron. Et elle m'a dit, comme ça, c'est la nature, viens près de moi. Qu'elle soit Lolita ou bien Lila, qu'elle soit un etc. Les filles en art sont érotiques, mais elles sont aussi romantiques. Qu'elle soit Lolita ou bien Lila, qu'elle soit un etc. Les filles en art sont impudiques, mais elles sont aussi romantiques. Et on arrive au bout du 16, de la soirée, parce qu'après il y a des groupes d'enfer. Pour finir sur une note un peu blues rock quand même, une reprise d'un musicien que j'apprécie beaucoup.
bonsoir. Voilà, je vais parler un tout petit peu le temps que mes collègues préparent la tombola. Donc voilà, je suis Grégoire Corby, j'ai pris la présidence de la BCL depuis quelques jours. Je voudrais juste faire un petit point sur la BCL, qui est quand même l'association qui a vocation à animer notre petit village. Et cet événement fait partie pour nous d'une grosse animation. Et à ce titre, je voudrais vraiment remercier tous les gens qui s'impliquent dans l'organisation de cette journée. Ça prend du temps le jour même, puis ça prend beaucoup de temps avant. Donc merci aux personnes du bar, merci à la caisse qui a un peu souffert tout à l'heure. Merci à Jackie pour l'organisation artistique, parce que sans lui, on n'aurait pas tous ces artistes. Je remercie tous les artistes d'être venus, comme on l'a dit, Jackie vient un peu de partout. Alors je vais essayer de ne pas oublier. Pas oublier parce que c'est. Voilà, tous les artistes, ça va être bien. Cette année, une petite chose exceptionnelle, on a deux partenaires. Donc on a le magasin Les Petits Pilotes, qui est le petit magasin de Boissy, qui fabrique des jouets sur un thème sur le thème des voitures, donc qui s'est associé à notre manifestation. Un grand merci à Audio System pour en tant que partenaire qui nous sonorise toute la scène et qui fait qu'on a un bon son ce soir. Et puis j'espère que le repas vous a satisfait. Je crois qu'il n'y a plus de burger, mais qu'il reste des frites. Donc voilà, il faut manger de la frite. Hein. Et le bar reste ouvert et j'espère que vous avez passé une bonne fin de soirée. Voilà, Jackie va faire la tombola et puis après on continuera avec les concerts. Voilà, bonne soirée à tous, merci. Merci Grégoire. Donc on va procéder au tirage au sort de la tombola. Donc plusieurs lots, hein, on va y aller progressivement jusqu'au dernier lot qui est la cigar box ici, là, vous ne voyez pas, mais moi je la vois, elle est bien là. Hein, vous allez la toucher, quelqu'un va la toucher de très près dans quelques instants. Donc on vient de mettre les souches ici de la tombola, on va proposer à un jeune enfant qui se trouve juste devant de procéder au tirage, ça te va? Ok. Donc on va te demander de tirer un ticket pour une affiche dédicacée des artistes de ce soir. Le 514. Là, le 514, il est dans la salle? Est-ce qu'il est dans la salle, le 514? S'il vous plaît, peut-être à l'extérieur, c'est la tombola, numéro 514. Bon, on va marquer, j'ai un stylo dans ma poche, on va marquer une affiche. Ouais, mettez vos lunettes. Faut qu'on remette de la lumière dans la salle ou quoi, là? Il y en a plusieurs de vous comme ça. Hein. Il y a quelques gens qui sont effectivement absents, qui ont laissé leur téléphone. Bon, j'ai pas pris le temps de... Enfin, faut dire qu'on n'a pas quatre bras, je sais plus où poser tout ça. Voilà, 514, tu me dis, c'est peut-être quelqu'un qui a prévenu qu'il n'était pas là. Bon, on va essayer de faire ça vite quand même. S'il y a quelqu'un qui est pressé de gagner sa... Je vérifie. J'ai un nom, donc effectivement, elle n'est pas là. C'est Sylvie qui a gagné, donc pas de problème. Tu gardes le ticket. Voilà, tu gardes le ticket, à la limite tu mets affiche dessus, ou je le marque là. Excusez-moi, voilà. On sait faire de la musique, mais pour faire des tirages de tombola, on n'a pas trop l'habitude. Donc Sylvie, voilà. Deuxième ticket, s'il te plaît.
toujours pour une affiche dédicacée des artistes. Alors, vous connaissez vos numéros de tickets, hein? Le 97. 97. On l'a vendu en début d'après-midi. Je revérifie. Numéro 97, est-ce qu'il est dans la salle, s'il vous plaît? Oui, pas. Il n'y a pas de 97 qui se manifeste. Donc ça veut dire qu'on a un numéro de téléphone, je vérifie. 97 pour une affiche. Ah, c'est dû retourner. 97, c'est le suivant. Effectivement, j'ai un numéro de téléphone. Bon, 97, une affiche, tu marques, voilà. On va demander de tirer encore un ticket. Avec des absents, les gens sont partis. C'est les gens qui étaient là au début d'après-midi. Un autre ticket, s'il te plaît. Le 87. 87, est-ce qu'il est dans la salle, le 87, s'il vous plaît, numéro 87? C'est pareil, c'est du début de festival, ça, du 87, je vérifie. Est-ce qu'il est là? Il se manifeste, hein, s'il est là, comme ça, ça veut dire... Il est là? C'est Patricia, c'est ça? Ben, s'il te plaît, voilà. On continue, encore une affiche. Le 521. 521, il est dans la salle, s'il vous plaît. Le 521. Ouais, il est là. Il vient nous voir. Il est là. Ouais, mais bon, on fait confiance. Voilà. On passe sur le lot suivant. C'est une sangle de guitare. Un numéro, s'il te plaît, Philippe. Le 548. 548, s'il vous plaît, il est dans la salle. C'est un truc qui a été vendu il n'y a pas longtemps, ça. Donc il est là, il repart avec sa sangle. Il est là? Bonjour, on le voit pas. Oui, il est là. Voilà, c'est la sangle de guitare. Et on continue par un autre numéro. J'invite Gumbo and the Monk. Gumbo and the Monk, please go on stage. Come and take place, please. Numéro suivant. Le 531. 531 aussi, c'est un des derniers numéros vendus. Il est là, il se manifeste. 531, oui, il est là. Donc il repart avec un CD des FBBS. Numéro suivant, Philippe. Non, ça y va. Allez, un petit numéro. Un numéro, mais un numéro dans la salle, c'est plus facile à gérer pour nous. Le 510. Le 510, il est dans la salle, s'il vous plaît. Il est là. Ouais, il se manifeste, il arrive. J'ai vu quelqu'un bouger. 510, s'il vous plaît. Qui repart avec le disque de Nicolas Millet qui vient de passer à l'instant. Voilà, bravo. Un autre numéro avant de passer à la cigar box. You play. Le 83. Le 83, est-ce qu'il est dans la salle, s'il vous plaît? C'est un début de journée, je vérifie. 83, il se manifeste.
J'ai pas de référence, donc c'est quelqu'un qui a prévu d'être là. Il est là le 83, il repart avec un CD de Slopostive que vous allez écouter tout à l'heure. Voilà, merci. Ben, Philippe, alors là, c'est voilà. Là, c'est quelqu'un qui est dans la salle, hein, s'il vous plaît. Bon, quoi qu'il en soit... Ah, ben écoutez, une chance supplémentaire de gagner le CD qui est remis en jeu par Patricia. Donc on tire un numéro pour le CD de Slopostive. Le CD de Slopostive, qu'est-ce qu'il repart avec? C'est le numéro... 95. Est-ce que le 95 est dans la salle? Oui, ça bouge ou ça bouge pas? Je vois pas d'ici. 95? Non, il est pas là. On marque dessus un CD Slopostive. J'ai un nom, c'est Monsieur Corby. Ouais, Monsieur Corby. Voilà. Mais bon, j'ai le truc, garde le truc. On va faire maintenant donc le gros lot, la Cigar Box Guitar. Donc un numéro, s'il te plaît, Philippe. Cigar Box, elle est ici, je l'ai en main. Donc j'ai peut-être un petit peu tout à l'heure expliqué l'histoire de cette Cigar Box, qui est relativement courte.